إقامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق ركن محمد إدريس ديبيتنو حفظك الله ورعاك. السادة recevez excellence mes vœux de bonheur, de prospérité et de changement dans le sens positif de nos mentalités. Excellence Monsieur le Président, je saisis cette occasion pour vous féliciter pour la Umra que vous venez d'effectuer à la Mecque en Arabie Saoudite. Quand vous êtes rentré dans la Kaaba, Excellence Monsieur le Président de la République, ceci signifie que le bon Dieu vous a accepté. Excellence Monsieur le Président, avec le premier jour de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak, un nouveau voyage spirituel commence. Mais il est lié à ces grands résultats représentés dans le souffle divin, bienveillant et les leçons morales dirigées vers le chemin de la vie vertueuse qu'est célébré le mois béni de Ramadan. Nous invoquons Dieu, le Tout-Puissant, que ce souffle divin soit le point culminant de notre joie à la fin de l'accomplissement du jeûne. Excellence, Monsieur le Président de la République, le monde est aujourd'hui au bord d'un volcan, aveuglé par un complexe de supériorité. L'on écoute à travers les médias des informations alarmistes, sans tenir compte des conséquences qui adviendraient comme la famine, la détérioration de l'économie mondiale, les épidémies, bref, la destruction du monde. Les avertissements d'une troisième guerre mondiale sont visibles, une guerre qui serait fatale à l'humanité tout entière. Nous, dans ce beau pays et dans cette société idéale, sous votre sage direction, aspirons à la paix, à la sécurité, au milieu de ces décombres de terribles calamités historiques. Nous espérons que le bon Dieu nous guide, sous votre sage direction, à faire face à ces défis et réussir la période de transition et la table ronde pour le dialogue en vue. Tous les responsables doivent conjuguer leurs efforts pour la réussite des prochains pour parler et barrer la route à tous ceux qui veulent les saper. Une nation comprenant ses institutions constitutionnelles, ses capacités et ses acquis, bien bâtie sur des bases sûres et notre credo. Nous rappelons, Excellence, Monsieur le Président, la nécessité aux gouvernants de s'assumer pour le redressement économique et améliorer les conditions de vie des citoyens et tout faire pour augmenter les recettes, équilibrer les dépenses et combattre les fléaux de la corruption dans toutes ses formes sur le plan économique, administratif et commercial. Excellence, Monsieur le Président, il y a des gens qui sont de mauvaise foi et qui veulent coûte que coûte déstabiliser et détruire notre pays. Mais nous sommes vigilants. Nous devons rester toujours vigilants pour barrer la route à tous ces mal intentionnés. La construction d'un État, la réalisation de son développement est la responsabilité de tout le monde. Tous les citoyens en sont responsables, de par les postes qu'ils occupent, malgré leurs divergences politiques ou leurs convictions idéologiques. Avec la détermination du peuple tchadien, nous allons réussir, Inch'Allah. Nous devons nous focaliser autour du principe du choix démocratique pluriel comme unique programme. Chacun de nous, à l'opposition et au gouvernement, a une responsabilité nationale, celle de préserver notre unité nationale et la démocratie. Tous debout comme un seul homme, en rang, comme c'est le cas de nos forces armées nationales depuis la mort du maréchal du Tchad, pour bâtir notre nation tchadienne. Rien n'est impossible devant la volonté d'un peuple. À cette occasion, permettez-moi de transmettre mes vœux aux soldats et aux officiers postés un peu partout pour la défense de la patrie. Nous saisissons également cette occasion au nom du Conseil supérieur des affaires islamiques pour adresser nos remerciements à vous, Excellence Monsieur le Président. Également, nos remerciements vont à l'État du Qatar, à son gouvernement et son peuple pour avoir accueilli et facilité la préparation du pré-dialogue entre l'opposition politico-militaire et le gouvernement tchadien. Et nous apprécions également le rôle joué par l'État du Qatar, fondé sur le principe du dialogue pour le règlement des différends entre les belligérants. Le Conseil supérieur des affaires islamiques appelle les deux délégations, celle du gouvernement et de l'opposition armée présente au Qatar, de tout faire pour réussir le dialogue
en privilégiant l'intérêt national sur l'intérêt personnel, en plaçant le consensus et la réconciliation comme une priorité et faire preuve de sagesse et de réalisme. C'est également une responsabilité historique envers la nation et les concitoyens. Et cela ne peut se réaliser qu'à travers ces points. Au gouvernement et à l'opposition, de placer l'intérêt du pays et des concitoyens au-dessus de toute autre considération, de faire des concessions par toutes les parties afin de parvenir à un accord. De la rencontre du président du Qatar dépendra la réussite du dialogue national inclusif. La société civile constituée de partis politiques, des associations de la société civile, des syndicats et toutes les couches sociales, quant à eux, ils doivent appuyer ce dialogue dans un esprit positif et consensuel à la communauté internationale. La communauté internationale doit aider les deux parties pour l'atteinte du résultat escompté. Je lance d'ici un appel à tous les démembrements du Conseil supérieur des affaires islamiques dans les provinces et à tous les érudits et les institutions religieuses d'implorer Dieu pour rapprocher le point de vue des deux parties pour arriver à une entente fructueuse, aspiration de tous les Tchadiens. Que le bon Dieu unisse les enfants du pays et éloigne tout germe de malentendu. Que Dieu nous protège tous. Bonne fête de Ramadan à tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Également, au Conseil supérieur des affaires islamiques, respecté le futur président de la grande mosquée, Wa Faisal, mes chers frères, louange à Allah le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux, qui nous a permis d'entamer le futur dans la foi et la dévotion du mois sacré de Ramadan. Rendons grâce à Allah, qui nous a permis de voir ces jours de fête après avoir accompli notre devoir religieux en ce mois d'avril marqué par de fortes températures. Malgré les difficultés, les fidèles tchadiens se sont acquittés dignement de leur obligation religieuse conformément aux prescriptions divines. Le mois béni de Ramadan est aussi le moment pour les fidèles musulmans de faire valoir leur esprit de volontaire de solidarité envers tous les concitoyens au-delà de leur appartenance religieuse. C'est le lieu pour moi de saluer les différentes initiatives d'iftar populaire et multiprofessionnelles organisées par les différentes couches de la population. Monsieur le Président du Conseil supérieur des affaires islamiques, permettez-moi de vous adresser toute ma gratitude pour le vœu de paix, de santé et de bonheur que vous avez exprimé à mon endroit, à l'endroit de ma famille et plus particulièrement à l'endroit de la nation tchadienne toute entière. En retour, je vais vous souhaiter le vœu le meilleur. Qu'Allah le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux, comble chaque famille tchadienne de sa riche bénédiction et de son infinie gratitude. Chers oulémas, comme vous le savez, le 20 avril dernier, nous avons procédé à la levée de deuil du Machat du Tchad et du délit de l'homme et à son âme. Cette levée de deuil a été procédée également par le grand 1 du Conseil militaire de transition, dont j'ai la lourde charge de présider. Dans ma récente déclaration à la Nation, j'avais dressé les bilans de la transition en cours. Chacun de vous a pu se faire une opinion du chemin parcouru et des défis qui se dressent devant nous. S'agissant justement des défis, le dialogue national inclusif est l'un des plus grands. C'est pourquoi j'adhère à la position du gouvernement qui vient de prendre acte de la proposition du Qatar, pays médiateur, en
afin de les reporter pour permettre à nos frères qui sont en discussion avec le gouvernement de prendre part à cette importante rencontre entre Tchadiens. À cet égard, j'inscris le gouvernement à prendre la tâche avec le gouvernement du Qatar et toutes les parties prenantes pour déclarer le droit en vue de définir un calendrier définitif. Il nous appartient ensemble, avec les forces de la nation, de trouver la meilleure formule pour fixer une date qui permettra à tout le monde d'être présent. Notre attachement constant à l'inclusivité du dialogue national inclusif ne doit s'ouvrir d'aucune ambiguïté. C'est le lieu de l'intérêt, les vies et versements et ma haute appréciation à son Altesse, Cheikh Tamim bin Ahmad Al-Thani, l'émir de l'État du Qatar, garant de la médiation à l'estimé gouvernement et au peuple fier du Qatar pour les efforts déployés. Mes chers frères, c'est ensemble que nous devons bâtir ce beau et grand pays, un Tchad pluriel et riche de sa diversité. Pour ma part, ma volonté de bâtir la paix est constante. Ma main est tendue de manière permanente. La réussite des travaux de l'Europe nationale inclusive est donc un sujet de prière que je soumets aux hommes de Dieu que vous êtes. Prière pour une issue heureuse de cette rencontre que les Tchadiens attendent de tous leurs vœux. Mes chers frères, vous allez relever la cherté des vies qui pèsent sur le quotidien de nos concitoyens. Il est de notre devoir d'apporter une réponse satisfaisante à tous. À cet égard, il me paraît important de souligner les efforts déjà fournis par le gouvernement, notamment l'exonération de droits et taxes à l'importation des produits de première nécessité. Cependant, compte tenu de la situation de l'emploi de notre pays, qui rend l'importation coûteuse et surtout en raison de ces enchères pratiquées par les commerçants violeux, les charges de ménage demeurent importantes. C'est pourquoi j'appelle au concours des commerçants tchadiens à la réduction de leurs marges de bénéfices pour contribuer à atténuer les charges du consommateur. Mes chers frères, ces derniers mois ont été aussi et malheureusement marqués par des conflits qui ont amené les familles tchadiennes. En ces jours bénis, j'ai une pensée pieuse pour tous ces compatriotes qui ont perdu leur vie. Puisse le Très-Haut accueillir l'âme de ses révoltés dans son vaste royaume. Le Conseil militaire de transition et les gouvernements n'admettront jamais que certaines personnes mettent à mal la cohabitation pacifique et l'unité nationale qui sont des valeurs sacrées. Chers éléments, dans cette phase spéciale de transition, l'implication active des hommes de Dieu est indispensable. Vous devez en aider par vos prières, vos orientations et vos conseils, tous les Tchadiens à épouser des attitudes de sagesse, de sérénité, de compréhension mutuelle et de loyauté envers la nation. Bonne fête à tous les Tchadiens de l'intérieur, ceux de la diaspora, ainsi qu'à toute la communauté d'expatriés vivant dans notre pays. Puisse le bon Dieu nous combler de sa grâce et de ses bénédictions. Et Dieu de Tchad, je vous remercie. اللهم نتوجه إليك في هذه الساعة المباركة ونحن عبادك الفقراء لا نملك حولنا لا قوة اللهم سهل أمورنا اللهم سهل أمورنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا
وتصلح بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل سوء. اللهم وحد كلمتنا واجمع صفنا. اللهم كلنا. اللهم وفق ابننا لما تحب وترضى. اللهم اجمع شملنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.